tout ça est complexe, inquiétant, mais je pense que celui qui produit l'analyse la plus globale et la plus complète de tout ça, c'est moi. Voilà. Et c'est peut-être pas pour rien que mes bouquins sont traduits en Russie, en Corée du Sud, demain au Brésil, parce que je suis invité en mois de septembre à un colloque à Sao Paulo, et que si les gens lisent mes livres de plus en plus et s'intéressent à ce que je dis et au site que j'anime, c'est peut-être pas uniquement parce qu'ils s'intéressent à ma pathologie familiale ou que ma folie les fait rire, mais parce que mes analyses complexes décrivent assez justement une réalité et avec une certaine avance sur cette réalité. Как форма существования, и поэтому хорошо умереть молодым, хорошо загнуться от СПИДа, например, годам к 30 или от наркотиков к 26. Это продвигает вот такой журнал «Ктюч», «ОМ», вот для них идеал такой, как бы сказать. В 14 лет ты познал все грехи, а 26 лет ты разбитая скотина, там, наделенная уже всеми там заболеваниями возможными, и там как бы с выпавшими волосами, коньковыми волосами, и заканчиваешь свое существование где-нибудь на помойке от героинного овердоза. Вот идеал нашего поколения. Какая тут старость? Старость — это совершенно...